Hey there, welcome to this new video. It's Derek, your online English teacher who is Scottish. C'est Derek, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais. Alors ça y est, on a passé les 10 000 abonnés. Je vais faire une vidéo bientôt là-dessus. Mais en fait, actualité oblige, je vais te faire une vidéo de comment je vis mon confinement à l'anglo-saxonne. Quelles habitudes, comment je fais pour travailler mon anglais, comment je fais pour encourager les autres à parler anglais. Ici, de mon petit bureau bien confiné, tu le vois, je vais te montrer tout ça. Mais avant, tu vas pouvoir t'abonner à la chaîne YouTube. Subscribe, like, comment. Abonne-toi. Et commente la vidéo, et c'est exceptionnel parce que on avance bien dans cette chaîne YouTube. Donc voilà, je suis ici sur mon bureau, regarde le bureau fait à l'ancienne. Ici, c'est là où moi je donne tous mes conseils et j'encourage les gens à bosser anglais. Et donc voilà, je vais te faire le petit tour du propriétaire. Comment est-ce que je vis à l'anglo-saxonne? Alors, il faut que tu saches que j'ai donc 3 enfants. Je suis marié à une femme américaine exceptionnelle et on fait l'école à la maison. Pas d'habitude. D'habitude, ils sont à l'école traditionnelle, on va dire. Et donc là, depuis quelques jours, on fait l'école à la maison. On est très rythmé pour justement qu'ils soient dans cette habitude. Peu d'écran. But, very important, we speak both languages. We speak English and French. Et donc voilà, my office. Donc en anglais, le bureau, my office. Tiny office. It's the attic. The attic, c'est donc le grenier, en quelque sorte. The attic. Attic. A-T-I-C. The attic, le grenier. And... the sky up there, the sky. Alors voilà, je vais descendre et je vais te montrer comment est-ce que nous on s'organise pendant ce confinement. Alors confinement, comment ça se dit? C'est très bon vocabulaire ça. Lock down, lock comme le cadenas. Lock down, c'est le fait en fait de se confiner. Lockdown. Si tu veux dire la quarantaine, c'est quarantine, quarantine or lockdown. Et donc j'arrive ici, je passe en dessous. Ouais, c'est la caverne d'Ali Baba. Voilà, alors ici on a the homeschool class. This is the homeschool class. Hello! Hello, this is the homeschool class. So, hi Keita. Hi! And he's then, gonna sing. Oh, you guys are doing so good. Wow, well done, Joseph. Thank you, Maman, you're doing a great job. Et ici on a le programme de la journée, the daily. Daily. Schedule. Alors notre enfant tous, mais il n'a pas le Covid, du moins on ne pense pas. Il est juste, il a des bronchites très fréquemment, hein, Joseph. Yeah, he's doing great. La date, ici, et ici, la première date que Noah a notée. Et là, on a la deuxième. Donc voilà, ici, notre école. Oups. So, désolé pour la lumière. Ah oui, alors certains me disent et me demandent pourquoi est-ce qu'on fait l'école à la maison en français en ce moment. Tout simplement parce qu'ils font l'école en France, nous on parle anglais à la maison, mais pour les habitués à garder ce rythme francophone, on continue bien sûr l'école à la maison en français. C'est logique parce que dans peut-être un mois ou deux, ils vont retourner à l'école en français. Donc, on veut garder ça. Good. So, going down. Kitchen and dining room, we'd say. Living room, il y a quelqu'un qui est au téléphone donc je ne vais pas y aller. Et là, c'est quand même ce qui rend la chose exceptionnelle. Ça. You hear that? So, lockdown. Lockdown, c'est donc le confinement. Et comme tu le vois, on est dans une période exceptionnelle où tu vas avoir du temps. Et il y a quelque chose qui existe dans le monde anglo-saxon qui existe peu en France, du moins un peu moins. C'est donc cette discipline, ce pragmatisme qui est ambiant. Alors je sais qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne sur le confinement et ça c'est sûr que ça peut être vraiment très compliqué. Et j'ai vraiment envie de t'envoyer toutes mes pensées à toi qui regardes cette vidéo, à tout mon courage pour les tiens. Nous on a des amis qui sont malades, gravement malades. Et but it's time to be supportive. And to never give up, il faut juste pas abandonner. Et je voulais juste, par cette vidéo, t'encourager, to give you good thoughts, because this is the time when you can read in English, tu peux lire des livres en anglais. Toutes tes séries, tes loisirs, tu peux les transformer en anglais, donc tu les mets tous en anglais pour que tu puisses, je sais pas, revoir des séries en anglais. Tu peux apprendre du vocabulaire. Tu peux mémoriser et investir ce temps. Invest in this time to learn English. I would really strongly encourage you to do that. Je ne sais pas combien de temps ça va durer,
Mais voilà, moi ce que je fais, c'est que je lis en anglais, je regarde un film de temps en temps en anglais toujours, et ça me permet d'être constamment dans l'action. Parce que comme tu le sais, et je le dis souvent, une langue, use it or lose it, tu l'utilises ou tu la perds. Et c'est vraiment le moment où on va voir ceux qui vont la perdre et ceux qui vont la garder et qui vont continuer à la voir. Donc, voilà. Moi, j'utilise différents livres sur mes passions. Donc, je t'encourage à prendre des livres qui concernent tes passions. Comme ça, c'est facile à tenir et à lire dans la durée. Je fais des temps de lecture de 10-15 minutes, pas plus, parce que je suis très mauvais lecteur. So, 10-minute slot. A slot. C'est un créneau. Slot, S-L-O-T, a 10-minute slot, 15-minute slot, et je le répète 3-4 fois dans la journée. Je ne suis pas bon lecteur et je n'arrive pas à me tenir. Et j'essaie de ralentir ou de faire pas beaucoup de Netflix, j'essaie de l'étaler. Comme ça, au moins dans un mois, je serai encore content de regarder Netflix et je ne serai pas genre off. Et voilà. J'espère que ça t'aide. Tu as beaucoup de vidéos sur cette chaîne YouTube. Je pense que j'ai travaillé pendant des années pour ces moments comme cette semaine pour que tu puisses, toi, regarder ces vidéos, t'entraîner. Et progresser, donc feel free to go for it, regarde tout ça et je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. J'ai des vidéos exceptionnelles qui vont arriver pour que on puisse apprendre du vocabulaire tous en famille en anglais. Reste bien connecté, mets-moi un commentaire, un like, partage au maximum, and I'll speak to you very soon. Bye.